Bienvenue sur notre antenne, heureuse de vous retrouver. Voici les titres de ce journal rythmé. Monsieur le Président, toute notre rédaction tient à vous faire part de son admiration. Dans un édito qui, vous le verrez, ne lésine pas, vous serez le phénix des hôtes de ce bois. Puis nous rendrons hommage à votre belle équipe, symbole de renouveau technocratique. Avant d'évoquer nos libertés sur les ondes harmonieuses de Bienveillance TV. Scoop, le locataire de Matignon fume des joints, à quand la contravention? Enfin, nous retrouverons la météo nucléaire avec Astrid et ses nombreux partenaires. Mais tout de suite, un édito spécial de notre direction. C'est donc un quinquennat inouï qui s'élance, placé sous le signe de l'excellence. Dans la Startup Nation, une ère nouvelle qui verra chacun de nous réaliser son potentiel. Nous deviendrons force de proposition grâce au wording de l'innovation. Afin que triomphe dans l'entreprise, libérer le management d'une team de slashers impliqués pour créer des chantiers, booster les énergies et laisser s'épanouir d'agiles synergies. Beaucoup de coworking et quelques capitaux dans le cluster d'une république zéro défaut. Nous les entrepreneurs de nos destinées, les créateurs d'audace et d'employabilité, nous les poissons pilotes du public privé, les rois de la conco et de l'horizontalité. Solennellement, au nom de toute une rédaction qui a voté pour vous sans la moindre hésitation, nous vous souhaitons décrire la success story du re-engineering de notre démocratie. Vous nous verrez flexibles, efficients, productifs dans un monde connecté, hyper compétitifs, chroniqueurs attentifs de vos poignées de main, du lifestyle de madame, de son parfum. Nous digitaliserons les process métiers afin de renforcer notre attractivité. Tel est notre pari, gagnant-gagnant, être à votre service, tout simplement, Monsieur le Président. Les bonnes nouvelles de notre liberté sont sur Bienveillance TV. À Calais, tout s'est arrangé. L'afflux migratoire est parfaitement maîtrisé. La jungle a disparu et nos policiers héros chassent les derniers sauvages en les privant d'eau. Pendant qu'à Paris, porte de la Chapelle, la mairie expose une œuvre forte et belle. Intitulée sobrement « Pierre contre migrants », saluée par la critique, unanimement. Phénomène de mode ou véritable tendance, on assiste au boom des bijoux de surveillance. Terroristes et activistes politiques portent désormais un bracelet électronique. Enfin, n'oubliez pas que dorénavant, la police peut vous demander vos identifiants, vos mots de passe, vos photos de vacances, dans la bonne humeur et la bienveillance. Moi, je suis auto-entrepreneur. Et toi, tu cherches toujours un emploi? Non, j'ai trouvé. Ah, tu fais quoi? Moi, je suis auto-chômeur. Et ça consiste en quoi? J'auto-encadre ma non-recherche d'emploi. Waouh! Mais construire un pays dynamique, c'est aussi un travail d'équipe. Appel général à tous les technos. Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. C'est vraiment les hommes et les femmes de qualité qui vont faire la différence par leur leadership dans ces périodes de crise. Le modèle de management de leadership hybride, avec un leadership vraiment présent sur la balle, authentique, que bah, la croissance, il faut aller chercher où elle est. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. ESSEC is very happy to organize this conference on extreme events in finance. Risk management, asset management. Lire, écrire, compter et respecter autrui, qui à mon avis sont les quatre piliers de l'école primaire. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Le cancer est une pathologie modélisante du patient acteur qui doit se prendre en charge. Les patients vont avoir un séquençage complet de leur génome qui va rentrer dans un grand ordinateur qui centralisera les données de tous les patients. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Monsieur Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb, âgé de 34 ans, est le plus jeune élu socialiste de la région. La radicalisation n'est pas simplement islamiste. Je mets d'ailleurs en garde contre une extrême gauche. Faut faire attention dans le langage. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos.
que ça va se jouer à un poil de bite. Poil de bite. Abonne général, à tous les technos. Abonne général, à tous les technos. Abonne général, à tous les technos. Bien sûr que je fume, mais c'est pas une raison. Au liqueur, marseillaise, le pétard laser. Et on se couchait. Au liqueur marseillaise, le pétard, la bière. Voilà enfin un programme clair. Ok pour le pétard, à la limite la bière. Mais la marseillaise, est-ce bien nécessaire? Pour la White Widow, direction Place Beauvau. Pour la Wayenne, ça se passe rue de Varennes. Place Vendôme, tout le monde est stone. Et au Quai d'Orsay, Skype à volonté. Au liqueur marseillaise, le pétard, la bière. Mais qui paiera l'amende, la taxe policière? Ça fume sous les dorures, ça plane à Matignon. Et ça veut distribuer des contraventions. Pour la White Widow, direction Place Beauvau. Pour la Wayenne, ça se passe rue de Varennes. Place Vendôme, tout le monde est stone. Et au Quai d'Orsay, Skype à volonté. Au liqueur marseillaise, le pétard, la bière. Prière de faire tourner dans tous les ministères. Peut-être même qu'on trouve des plantes ventilées jusque dans les placards de l'Élysée. Au liqueur marseillaise, le pétard, la bière. Mais 100 euros le joint, pour des pauvres, ça fait cher. Du coup, si on vous l'achète directement, on peut négocier ou ça se passe comment? Pour la White Widow, direction Place Beauvau. Pour la Wayenne, ça se passe rue de Varennes. Place Vendôme, tout le monde est stone. Et au Quai d'Orsay, Skype à volonté. 150 élus marseillais ont lancé un appel pour une légalisation contrôlée du cannabis. Est-ce que vous y êtes favorable? Bon, c'est une question difficile, compliquée, sur laquelle j'ai pas encore de réponse. Parce que je vois bien le problème considérable. Vous envoyez les effets comme maire, ouais? Oui, bien sûr, ben, comme partout en France. Au liqueur, marseillaise, fume de pétard laser, et on se couchait. Et tout de suite, on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. À Golfech, sur l'aéro-réfrigérant, aléa de capteurs de système de refroidissement et dégagement de fumée sans conséquence suite à la surchauffe d'une petite résistance. À Katnum, un transformateur à l'arrêt. À Katnum 2, dégagement de fumée. À Katnum 3, des ailes de secours défaillants. À Katnum 4, tout va bien pour l'instant. Superbe idée de sortie scolaire. Partie de pêche dans les temps de Dampierre. L'eau était chaude, c'était magique. Les enfants ont pris des cartes magnifiques. Et parce que les grands aiment la nature aussi, à Civaux, macrophotographie. Le monde des insectes mutants vous fascinera, le tout dans un superbe panorama. À La Hague, une boîte s'est percée, laissant s'échapper de l'eau contaminée. Mais saviez-vous qu'à Golfech, il y a des ruchers, des moutons à Belleville et des ânes au Bugey? Avec tant de bonnes choses à disposition, on pourrait organiser une dégustation pour valoriser notre savoir-faire en produits dérivés éco-nucléaires. Des estives de Belleville, onctueux fromage frais, miel de Golfech intense et doré, carpe de Dampierre délicieuse, eau minérale de La Hague naturellement gazeuse. Faites-vous plaisir avec une cuvée du Blayet. 99, une excellente année. Goûtez-moi ce maroilles de Gravelines, garantie brassée dans la turbine. Et pour les grands jours, une valeur sûre, les champagnes de Bure. Tout ça made in France. Astrid, un grand merci pour cette météo qui nous met en appétit. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Et maintenant une bière, un pétard et au lit. We'll be right back.